tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout mini haul action. Du coup, je vais cumuler avec un tout petit aussi haul Wish. Également un article que j'ai reçu à ma fille, elle m'a offert du ruban, je vous montrerai, qui vient de chez Casa. Et en toute fin de deux vidéos, je vous ferai en même temps un petit retour sur une petite expérience que j'ai faite avec des fleurs, enfin des pétales et des feuilles que j'ai essayé de plastifier. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec Action. Donc la première chose, j'ai pris une petite panière comme ceci à 69 centimes. Pour celles qui me suivent régulièrement, comme vous le savez, je scrape sur ma table de salle à manger et je ne m'étais jamais pris un petit récipient où je peux mettre les papiers, les choses vraiment à jeter. Donc soit j'étais envahie, soit je faisais 50 allers-retours vers la poubelle. Donc voilà, c'est chose faite. Je trouvais que ceci était plutôt adapté. C'était vraiment pas cher. J'essaie de voir. Non, il n'y a pas le nombre de litres, rien du tout. Voilà, enfin bon, c'est une toute petite panière, comme ça il y avait différents coloris, pardon, et ça fera l'affaire. Alors, pour continuer chez Action, à la base je voulais, je cherchais après les fameux Stiff Watercolor, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y en avait pas du tout à mon Action. Donc voilà, par contre les fameux washi, en tout cas, les nouveaux washi étaient là, donc j'ai pris ceci, que j'aimais beaucoup. Celui-ci, on a déjà eu plusieurs qui ressemblaient, mais bon, je l'ai trouvé cool. Et j'ai pris ceci, plus dans les bleus et dans les gris. Sur le noir, il est inscrit Stay Wild. Et sur le bleu marine, c'est Awesome. Et j'ai pris également en rayon ceci. Donc là, c'est plus pour mon bullet journal, parce que ici, bah, vous avez, il y en a un avec les jours. Il y en a un avec Important, Don't Forget, les petits carrés pour faire les listes to do. Donc ça, c'est plus pour le bullet. Au niveau prix, ceux-ci en rayon étaient à 79 centimes. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 fins washi. Et les premiers que je vous ai montrés, donc ceux-ci, étaient à 89 centimes. Et là, vous avez 3, 4, 5 rouleaux. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris pour faire des embellissements maison. J'ai repris des pailles. J'avais pas spécialement ces couleurs-ci, puis j'avais déligné pas à poids, donc voilà, elles m'ont plu. Donc j'ai pris ces deux couleurs-ci. Il y avait également noir, bleu et orange, si je me trompe pas. À l'intérieur, vous avez 16 pièces et c'était 39 centimes le paquet. Alors, dans les arrivages, il y avait également les Puffy Stickers. Il y a plusieurs planches, je pense, il y a sur trois sortes. Ça c'est certain, peut-être 4. Maintenant moi j'ai pris que ces deux-ci, parce que le troisième qui avait en rayon ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, celui-ci est plus sur le thème amour, together, love, les petites clés, les petits cœurs. Enfin voilà, je les trouve assez sympas, j'espère qu'ils colleront bien. Et j'ai pris cette planche-ci, où je sais pas vraiment si je peux donner un thème, mais voilà, j'aimais beaucoup le téléphone ici, le high, les mini cœurs, enfin voilà, entre création et bullet journal, ceci fera mon bonheur. Alors j'ai également trouvé, pour ma part je ne les ai pas encore vus dans d'autres haul actions, et c'était une surprise, enfin voilà, plutôt sympa, je suis tombée sur ceci. Donc ce sont des alphabets, stickers, mais la matière au-dessus c'est du tissu. Donc c'est du tissu autocollant en forme de lettres. Sur certaines lettres, vous avez les petits boutons. Là aussi, il y avait au moins 4-5 coloris différents. Je sais de tête, il y en avait un dans les jaunes, il y en avait un tropical. Il y a les deux que j'ai pris et il y avait peut-être bien encore une autre sorte. Mais bon, moi j'ai pris ces deux-ci que je trouvais relativement jolis. C'était 79 centimes le paquet. Donc j'ai pris ceci et j'ai pris ici dans les noirs, blancs, gris. Voilà, j'aimais beaucoup, beaucoup le rendu. Et bien voilà, pour Action, c'est déjà terminé. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, je vais enchaîner maintenant avec quelques articles achetés sur Wish. Entre autres, je les attendais avec impatience et je pense qu'il ne m'en manque que un ou deux au niveau de mes commandes. J'avais commandé des moules supplémentaires, donc pour faire des embellissements.
Donc tout d'abord, j'ai commandé celui-ci. C'est toutes des paires de ciseaux vintage. Voilà, donc j'aimais beaucoup. J'ai pris celui-ci au niveau dentelle. Je ne sais plus, j'ai pas noté le nom de la chaîne, mais il y a une scrappeuse qui l'a acheté, qui l'a testé et le rendu était super. Donc je me le suis commandé. Donc ça, c'est pour la dentelle en longueur. Ensuite, je voulais une dentelle mais plus ronde. Donc j'espère que ça rendra bien à la caméra, mais voilà, ceci c'est une dentelle ronde. Donc voilà. Et j'ai pris ceci avec moi j'appelle ça une fée. L'extérieur est en dentelle et il y a une petite fée au centre. Donc petit napperon avec une fée. On verra ce que ça donne. De toute façon, à mon avis, je referai peut-être une vidéo avec le rendu des différents moules et des différents tests que je voulais faire. Donc je voulais tester aussi bien avec du silicone que de la pâte que j'ai fait maison, que peut-être réitérer certains tests avec la pâte action. Donc voilà, ce sera plus parlant quand ils seront faits et démoulés, mais je voulais vous les montrer. Alors ensuite, toujours chez Wish, je me suis commandé deux pochoirs. Donc il y a le premier qui est comme ceci, où c'est tout des tickets, des engrenages. Voilà, on est dans le vintage. Je ne sais pas, j'espère, j'ai pas. Ah, attendez, je vais essayer de vous mettre peut-être une feuille à l'arrière. Ça rendra mieux. Et encore, blanc sur blanc, je ne sais pas ce qui est le mieux. Bon. Voilà, si je le laisse à plat, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est de cette manière que ça ressort le mieux. Donc voilà. Par contre, les prix de chez AliExpress, les moules sont tous, on va dire, avec les frais de port aux alentours, pas AliExpress, pardon, Wish, sont tous aux alentours d'1,50€. Et les pochoirs varient. Je pense qu'il y en avait un à 89 centimes et un à 1€. Je ne sais plus lequel est quoi. Donc, mais voilà. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est comme ceci. Il est un peu plié vu qu'il sort de l'emballage. Mais ça m'embête de ne pas savoir vous montrer convenablement. Je vais peut-être essayer. Voilà, ça ressortira à mon avis mieux. Donc voilà, ça c'est le deuxième avec l'inscription Paris. Et j'aimais beaucoup les feuillages comme ceci. Donc voilà, je vous remonte sur le bleu en vitesse le premier. Voilà. Et ensuite, pour terminer sur Wish, j'ai commandé ceci. Ouh. Je suis pas super super satisfaite. Encore une fois, je sais pas si ça rendra à la caméra, mais c'est du tissu pour faire. À la base, je voulais en faire une couverture mini-album, mais malgré que ça arrivait roulé sur ceci, on voit. En fait, je sais pas si ça va rendre à la caméra ou pas, mais je vais essayer de lever avec le dessous. Je sais pas si vous voyez tous les. Enfin, il y a plein de plis, en fait, de traces de pliures dedans, donc c'est pas très net, c'est pas hyper joli. Donc je me tâte même à le contester parce que voilà, même si c'est pas cher, là j'ai l'impression d'avoir un vieux morceau de tissu à moitié chiffonné alors que c'est censé être neuf. Donc voilà, d'autant plus que ça, je pense que j'ai quand même payé 3€ avec les frais de port. Donc ok, c'est beaucoup moins cher que dans des magasins de loisirs créatifs, mais voilà, je trouve que ça ne devrait pas arriver dans cet état-là. Ensuite, c'est terminé pour Wish. Par contre, j'ai reçu ce très joli ruban à ma fille. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé chez Casa. Apparemment, chez Casa, il y a eu des arrivages avec un peu de matériel couture et scrapbooking. Et donc, elle m'a pris ce ruban-ci en bleu marine avec le liseré blanc. Je le trouve vraiment, vraiment super joli. C'est un cadeau, donc j'ai pas le prix. Il fait 1,5 cm de large sur 3 mètres. Donc voilà. Et écoutez, pour les petits achats, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Par contre, je voulais juste vous montrer en vitesse. J'ai voulu tester de plastifier des pétales, des feuilles et ce genre de choses avec soit du papier transparent plastifié avec lequel on recouvre les cahiers, les colis, etc. Ou il y en a certains, j'ai fait simplement avec le gros scotch transparent avec lequel on fermerait les cartons. Donc voilà, ça ce sont mes premiers tests et c'est le résultat J plus 4. Donc en fait, ce que vous voyez ici, les pétales étaient toutes blanches. Celles-ci ont jauni, mais en même temps, les pétales ici, je ne les ai pas séchées, rien. J'ai pris sur la fleur, j'ai plastifié et voilà.
Les feuilles, par contre, n'ont absolument pas bougé. Et ici, c'est une pétale. Celle-ci, c'est une pétale de rose. Mais par contre, je les avais séchées avant. Et apparemment, si vous séchez les pétales, ça ne bouge pas. Donc, ça, c'était les premiers tests. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est j'en ai refait pas mal, mais tout avec... je les ai séchés. Donc, voilà. Je vous remontre quelques exemplaires. Mais donc, ici, des feuilles différentes, entre autres. Mais ici, c'est séché à l'avance. Parce que, voilà, je pense que j'ai encore un ou deux bels exemples ici. Oui, voilà. Ici, j'ai repris, par exemple, ce n'était pas séché. Et donc, ça a commencé à jaunir également. Eh bien, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous mets à gauche ou à droite mon compte Facebook et Instagram. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous fais des gros bisous. À bientôt !